Bonjour tout le monde, c'est Xdeck62. Bon on est parti pour un nouveau jeu, donc là on va jouer à Star Wars Survivor. Alors c'est un jeu d'action-aventure développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. Il est sorti le 28 avril 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Donc on est parti. J'avais bien aimé le premier. Bon, on va se la faire en mode cool. Je m'en rappelle même plus, ça fait longtemps que j'ai fait le premier. Je m'en rappelle même plus des boutons. Je me rappelle même plus de la fin du premier. Je crois qu'ils étaient dans un truc souterrain sous l'eau. Si je me rappelle bien. Et après, quand je fais des trophées, souvent il y a un truc qui finit en difficile ou quoi que ce soit. Et là, je rejoue en plus dur. Il y a des gens, ils préfèrent faire en dur et après le faire tranquille. Moi, c'est l'inverse. Je profite mieux de l'histoire. Je trouve. Après. J'ai l'impression que ça sent le piège. Ouais, t'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Alors, où se passe l'échange? Lesquels? Il vaut mieux être discret avec ce genre d'affaires. Ok. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et nous envoyer valdinguer dans les airs? Il doit garder ça secret. Exactement. Il veut tuper les inquisiteurs, doubler Vador. Ça gâche ou un jeu dangereux? Nous aussi. À niveau graphique et les décors, par contre, il y a rien à dire au jeu. Ordre du sénateur. Le jeu, il est nickel. On va faire un détour. J'espère qu'ils vont faire un petit truc pour montrer les touches. Parce que moi, je me rappelle plus trop du premier. Comme des rats dans un labyrinthe. J'aime pas ça. Si on suit le plan, tout ira bien. Du moment que je me paye. Sur le premier, je crois que j'avais fini les vidéos. Et je l'avais gardé de côté sur l'ordi pour. Sur la console. Pour pouvoir. Faire les trophées en fait. Mais. J'ai tellement de trophées à faire. Déjà, j'ai à peine le temps pour faire les vidéos. Donc ça s'entasse, ça s'entasse. J'ai 5 millions de trophées en attente. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie. Ce n'est pas ce que dit la propagande. Tiens-toi, prisonnier. Voilà les clés de fonte de l'Empire. Mais comment pouvons-nous prospérer? J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur.
Ces derniers temps, il se montre rarement. Heureusement qu'il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'Empereur. Je la vois. Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglé. Et c'est reparti. Arrêteront et incarcéreront quiconque refusera d'obtempérer. Viens par ici, Jedi. Les autres, vous restez ici. Ce n'était pas l'accord convenu. L'accord a changé. Pas question. Soit j'y vais aussi, soit on s'en va. Seulement vous, les autres attendent. Le droïde, comment il l'a chopé, n'empêche. Terroriste. Tu vas le laisser t'appeler comme ça? Ça suffit. Bah, où vous l'avez trouvé? Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électroproton à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu l'imploreras la mort. Toujours sympa de rencontrer des fans. Par ici, Jedi. Occupez-vous de vos affaires. Ce sont mes affaires. Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas? Ah, les droïdes. Aïe. La zone est-elle sécurisée? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre? Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi Renegat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôts d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jarro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Ah, c'est bien, il montre comment refaire. Alors, L2. Arrêtez le Jedi!
Allez, viens me chercher. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur ? Sortez, je veux vous parler. Tuez cet assassin. Je peux pas l'attendre. Pas si vite, sénateur. Envoie BD. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite! Tiens bon! Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce yacht. C'est pas passé loin, mon pote. C'est pas ta faute. On rattrapera le yacht. Quoi, c'était marqué scanner là. Je peux pas l'ouvrir. T'as pas un truc pour t'en occuper ? Non. On doit retrouver ce yacht avant l'Empire. Ah, faut descendre. Soit les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles ont. Ok, valent la deux peine. Fois crois, je m'en rappelais plus. Tu perds jamais espoir, toi, hein, mon pote. Hop. Ok.
Ah là. Se reposer ici, mon pote. Ah ouais, c'est où on améliore les compétences. Ouais. Ok, je peux faire que ça, quoi, de toute façon. Ok. Ah, il y a quelque chose. Dépêche-toi. J'ai servi pendant la guerre. J'en doute. Maintenant, dégage, ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez. Y'a rien là-bas. Peut-être plutôt aller voir là-bas. Ouais, je peux pas passer. Ah si, faut fermer avec la force. Ah. Ah, je crois que c'était juste pour avoir le coffre. Il fallait monter de l'autre côté. Ouais. Ça servait juste à avoir le coffre là. Pas grave. C'est pour ça que j'ai mis facile, comme ça je voyage tranquille. Je me prends pas la tête. Ok. Oh. J'aurais dû me reculer un peu. Carte débloquée. Ouais, je vois. Ok. Voilà l'yacht. Il dérive toujours. T'as bien raison, BD. On va la voir. Ça te dit d'aller manger un morceau après le service? Ouais, je me ferais bien un turbo à non. Jean. Oh le con. Je tire dessus. Tout se passe bien.
Ouais, non, c'est trop loin là pour sauter. Ah non, je peux pas aller là. Il faudrait que... Ah non, c'est loin. Voilà, c'est carrément haut. Et là, c'est carrément loin. Alors, faut que je trouve le système. Non, pas là non plus. Ouais. Je les vois. Ah, il y avait un tout petit trou que j'avais même pas vu, quoi. Je pensais pas avoir autant d'actions sur Coruscant. Ah mais... Ah ouais, mais matchera au moment où... On approche. Tu tiens le coup, BD ? Je pense qu'il pouvait éviter de m'en foutre plein la tête le temps que j'étais approché, quoi. Du temps. Ah, oh, tu sais, je me baladais, j'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Je fais que mon boulot, Kestis. Quand j'ai vu le quai s'effondrer, je me suis dit que ce coup serait vite bouclé. Pourquoi leur faciliter la vie? Ah! Où est l'équipage? On va vers le yacht. On les rejoindra là-bas. Oh, et bravo a dit pas de radio. Pas de radio. Bravo, c'est ce qu'il fait. Ah ok, c'est pour redescendre. Les Coubélises doivent être en train de mourir de faim. Des Clatouiniens affamés. C'est pas une bonne chose. Rappelle-moi de te parler de la mission sur Carida un de ces jours. On dirait que cette usine a arrêté le yacht. Je crois que c'est gagné. Pas de canonnière. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. Comment on va se faire traverser? Bon, ça n'a pas marché. Pouvoir renverser cette caisse? Ça vaut le coup d'essayer. Tout
pratique, ce jetpack. Rappelle-moi de te raconter comment je l'ai eu à l'occasion. Qui t'a appris à bouger comme ça? Mon maître. Chaque fois que je tombais, il me remettait sur pied. Ça m'a l'air d'être un bon prof. Une patrouille de Stormtroopers. On est recherché. Mieux vaut nous que le yacht, hein? Ok, je peux pas. D'accord, même en faisant des doubles sauts à chaque fois, je peux pas. Que je trouve un système. Un genre de minerai rare, je suppose. Oui, c'est magnifique. Y'a rien pour que je puisse monter là en fait. Il peut pas m'aider lui. Ah non. Eh ben. Impressionnant. Qui a besoin d'un jetpack? Mec, il y a eu du cul, mais c'est tout, quoi. Ce câble? Je m'en charge, Kestis. Hop. Des larbins en bas. On peut pas les éviter. Alors on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Kestis. Doucement, il y a des ennemis. Hé hey, à la tour. Aide-nous, je vais te tuer. Salut les mecs. Vous cherchiez? Je suis avec toi. On peut appeler l'ascenseur avec ce terminal. Je m'en charge. Des soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr, à ton signal. Maintenant. D'accord, tu sais te battre. Oui, toi aussi. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe.
Essayons ce chemin. Arrête de lire dans mes pensées, Jedi. Oui, allons retrouver l'équipage. Cet endroit est une ville fantôme. Coruscant a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment, le simple fait de sortir, c'est déjà chercher des ennuis. Parlant de problème, évitons cette patrouille. Je suis d'accord. J'ai repéré des ennemis. Il est là, juste là. Ah, je déteste les droïdes. Idem. Ennemis à terre. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant je dois obéir à un droïde. L'empereur a transformé le temple Jedi en palais. Ouais, l'Empire est doué pour ça. Prendre un truc que t'aimes et en faire un truc que tu supportes plus. Thank you.
ça fait combien de temps que tu bosses avec Saw Gerrera? Pas longtemps. J'ai juste fait quelques missions. On dirait que tu l'as impressionné. Ce qui n'est pas facile. Je suis doué pour ce que je fais, je pose pas de questions qui fâchent. En général, ça m'ouvre pas mal de portes. On devrait pouvoir utiliser cette grue pour traverser le pont. On utilise les outils de l'Empire contre eux. Un Jedi, ici? C'est une blague, c'est ça? Il paraît qu'il y a eu une tentative d'assassinat. Quelqu'un s'en est pris au sénateur? Il faut du cran pour s'attaquer à cette... Ennemi à proximité! J'arrive pas à le toucher! C'est parti! Au travail, Cal. C'est super. Défaillance des scanners. Ce type t'aimait vraiment pas. Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus. Je vois pas comment monter. On va jeter un œil. Trouvé quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? Un câble d'ascension. Les ouvriers s'en servent pour la construction. Tu peux le réparer ? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état. Ça devrait pas prendre trop de temps. À ce qu'on dit, t'as combattu l'Empire sur Kashyyyk ? Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Rien que vous deux ? Et quelques amis. Et toi, le nouveau ? T'es là pour les crédits, j'imagine ? J'aime les crédits, c'est sûr. Mais... j'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins je peux la nourrir. Ça doit être dur, d'être loin d'elle. Sa mère est... Non, elle est partie. L'Empire nous l'a enlevée. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir ? Je vais m'en sortir. J'étais faire ailleurs sur Braca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. Le câble d'ascension tient. Tant mieux, j'ai le pressentiment que t'en auras besoin. Servir de ce terminal pour faire pivoter le panneau. C'était pas si dur. On retourne à bord. J'espère que l'équipage va bien. Si Gabs s'ennuie, elle risque de pirater les radios des Impériaux juste pour s'amuser. Elle est si douée que ça. Elle était douée, bien entraînée. Mais elle s'était mise ses employeurs à dos. Bravo était un pilote de la République. Un ex-militaire. Je comprends mieux.
t'as commencé à bosser avec Kubelis ? Une cantina sur Norcide. Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse. Les jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine. Depuis, c'est des amis. Ok, je sais pas trop où je dois aller. Je m'accroche au panneau là. Non. Bon bah c'était le risque de tomber, je savais pas trop où aller. Bizarre que je dois aller là et... Ok, bah ça, c'est pour descendre là, là. J'aurais pas pensé. Ah, parce que je suis déjà venu là. Bon bah on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais voir les compétences. Je crois que j'en ai une en plus. Voir ce que je peux faire. Prendre ça. Voilà. Ah, se reposer. Donc voilà, bah on va s'arrêter là. Donc si vous avez aimé la vidéo, ben pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Salut !